retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un unboxing avec la boutique On Day Saving. Alors aujourd'hui je n'ai choisi que du diamond painting et avant toute chose j'ai des promotions à vous proposer. Voilà, bah, c'est le moment du Black Friday un peu partout hein. Donc vous avez des promotions en ce moment. Donc je vais faire comme l'autre jour, je vous lis tout de suite tout ce qui est promotion puisque c'est un petit texte quand même un petit peu long et ensuite je vous montre ce qui a été choisi. Alors pour le Black Friday, alors un coupon de réduction de 10$ sans seuil. Voilà, d'abord, ah oui c'est ça. Ça commence bien. Alors, vous avez d'abord un coupon de réduction de 10$ sans seuil. Il faut l'utiliser sur sa commande et ce sera déduit de votre commande. Alors, avec le code de réduction, je vous le remarque ici en bas, oula, je bouge en bas de l'écran, 23 Black Friday 10. La période de validité du code de réduction, c'est du 12 novembre 2023 au 30 novembre 2023. Il y a 300 réductions et il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc, premier arrivé, premier servi. C'est limité à une seule utilisation par personne. Ensuite, vous avez une autre promotion, c'est une remise automatique lors des commandes. Alors, vous avez 3$ sur une commande supérieure à 39$. Oui, mais maman, elle ne voit plus. 6$ pour les commandes supérieures à 79$. 10$ pour les commandes supérieures à 99$. Oui, et 30$ pour les commandes supérieures à 199$. Pareil, cette promotion-là dure du 12 au 30 novembre. Vous pouvez cumuler les deux promotions. Voilà. Et voilà. Et vous avez également, alors ça c'est tout le temps, hein, c'est toute l'année. La boutique propose toujours deux cadeaux gratuits pour les achats supérieurs à 50$, qui peuvent également être utilisés en combinaison, donc en même temps. Si votre commande dépasse 50$, n'oubliez pas de choisir les deux cadeaux gratuits. Voilà. J'ai tout dit. Alors, oui, mais attends, mon bébé, elle veut pas. Alors, comme je vous disais, j'ai pris que du diamond painting. Il y a un article, vous allez vous dire, ben, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Oui, effectivement. Mais les boutiques en ce moment m'ont demandé de prendre cet article. Et du coup, je crois que je vais encore en avoir un. Mais j'ai fait pour ne pas choisir les mêmes, normalement ça doit aller. Donc je vais, quand Fifi aura bougé, hein. Oui, j'ai des câlins, oh là 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 là, oh j'ai des câlins, c'est bon, on peut y aller, non, encore des câlins. Oh, encore des câlins. Ouais, encore des câlins. Maman, elle peut montrer. Oh, bah alors, qu'est-ce qu'on veut comme câlin? Allez, descends. Descends. Non, bon, elle veut pas. Allez, on va la bouger un petit peu. Voilà. Je me remonte. Alors, je vous disais donc... Alors là, carrément, hein, vas-y, bouge ton cucu. Bouge ton cucu. Fifi, voilà.
Vous aurez je pense déjà deviné ce que c'est. Donc, j'ai emballé dans une boîte. J'ai pas enlevé le scotch, donc là, je vais galérer. Attendez. Voilà. Alors. Mais, non, non, non. Alors, range ta queue. On va se mettre face table, ça ira beaucoup mieux. Et voilà. Oui, c'est un sapin et ça va, ce n'est pas le même que l'autre jour. Donc, c'est un sapin en recto uniquement. Voilà. Il a un petit support. Donc, ça va se mettre dedans. Alors, tout, tout, tout. Voilà. Il se met comme ça dans son support. Vous voyez? Vous pourrez le poser sur un meuble ou sur votre table, enfin là où vous voulez. Donc, celui-là, vous voyez, il a des grosses boules rouges dorées. Il y a des cadeaux en bas. Voilà. Alors, je vais enlever le pied. Voilà. On a le petit toolkit. J'ai oublié de vous le montrer, mais ça, vous l'auriez deviné. Et on a des strass. Alors, qu'est-ce qu'on a comme joli strass? Voilà. Alors, on va avoir des gros rouges. Ici, des gouttes d'eau rouges. Des grosses strass dorées. Là, c'est des yeux de chat dorés. Encore des rouges, mais elles sont plus grandes. Voilà, elles sont plus grandes que les premières. Des petits strass brillants, des verts, des rouges, des bleus turquoise, des marrons et des jaunes comme ceci. Voilà. Donc, il va être très très beau également. Hop, on remet tout là-dedans. Et en attendant, je vous donne son prix. Il est à 9. Alors là, je crois que je les ai en euros. Je vérifierai sur la boutique. Mais normalement, c'est des euros. C'est 9,95 €. Alors, deuxième article, c'est un DP. C'est un 30-40 en perles rondes. Toujours son petit toolkit. Et on va avoir des perles rondes, donc en sachet zippé. Voilà. Alors, on va l'ouvrir. Oui, ça fait du bruit. Premier paquet, on va zoomer pour mieux voir. Et voilà les couleurs. Alors, est-ce que c'est le vrai blanc? Je ne sais pas. On verra sur la liste si c'est un vrai blanc. Jaune pétant. Noir. Avec pomme.
Voilà. Donc, toutes ces jolies couleurs pour faire... Ta-da-da-da. Je vous dézoome. Les frères... alors, c'est Mario et son frère, comment il s'appelle? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Et voilà. Pas Guicep, un nom comme ça. Je ne sais plus son nom. Alors, pas de confetti, hein, rien, vous voyez, c'est que du bloc. Donc, il va être très facile et rapide à faire. Donc, il a 25 couleurs. Ah, tiens. Ah, mais on n'a pas les références DMC, tiens. Regardez. Ah, c'est rare. Ça arrive sur ceux d'action. Ça je, mais là, c'est la première fois que je l'ai sans les références DMC. Ah. C'est une première. Alors, niveau impression, de toute façon, il n'y a pas de problème. Vous hein, voyez. Et niveau colle, il ne doit pas y avoir de problème non plus. Oh, ça colle très très bien. Voilà. Bon, bah là, on n'a pas de référence DMC. Donc, pour ceux qui gardent les perles, ben, bon. Là, vous les aurez, vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas vos références. Bon, c'est pas très grave, hein. Principal, c'est d'avoir les numéros et la légende. Voilà. Alors, Mario, donc 30-40 perles rondes, est à 5,95 €. Et notre dernier DP, là, c'est un petit peu spécial. J'ai pris un DP, un Diamond Painting Mystère. Voilà. Donc, je ne pouvais pas savoir à l'avance ce que j'allais recevoir. Alors, on a d'abord un petit toolkit que Fifi vient vous présenter avec le petit plateau avec le bec verseur. Vous avez les moustaches à Fifi qui passent. Le stylet avec pour un diamant là. Ici, vous en mettez 4. Et celui-là, que vous devez en mettre 8, je crois, peut-être 10, mais bon, tout au moins 8. Voilà. Et vous avez un grand carré de glu et la pince, mais celle-là, elle n'est pas terrible de pince. Alors, par contre, du coup, comme c'est un mystère, je ne savais pas du tout ce que j'allais recevoir et ce que j'allais recevoir comme perle. Eh bien, c'est des carrés. Voilà, ce sont des perles carrées. Alors, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de couleurs. Il y a 45 couleurs. Donc, je vais vous montrer ça en détail. Hop. Si ça veut bien. Voilà. Hop. Ah, il reste. Il y en a un qui reste collé et il y en a un qui ne veut pas sortir. Viens là, toi. Voilà. Hop, on va zoomer. Et je vous montre ça. Voilà, donc là, c'est des carrés. Bah, pour une fois, ça change hein, parce que sur ma chaîne, vous n'en voyez plus de carrés. Alors, sur les sachets... Vous avez ça, c'est le nombre de perles dont vous avez besoin pour faire votre kit. Ça, c'est la référence DMC. Et ça, normalement, c'est le numéro de la couleur. Voilà. Donc, les sachets sont assez complets niveau renseignement. Et voilà les couleurs. Ils m'ont l'air assez réguliers.
Bon, là, ils sont en acrylique, hein. Ils sont pas en résine. Donc, il y a quand même des belles couleurs. Ah, là, il y a eu un évadé. Donc, c'est un grand épée. Enfin, un grand épée. Je crois de mémoire que c'est un 40-50. On va vérifier après, voir si je me trompe. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de couleurs. Ça, j'ai dû les... Je sais plus si... Non, je crois pas je les avoir montré cela. On va y arriver, hein, vous inquiétez pas. Je sais pas ce que c'est, mais à force de tenir les sachets, j'ai l'impression de quelque chose au bout des doigts. Oh, ici on a un gros sachet de violet. On arrive au bout, on arrive au bout. Il n'en reste plus beaucoup. Et les deux derniers. Voilà. Bon, je les rangerai après. Tout ça pour faire. Alors, c'est un DP de quelle taille? Oui, 50-40, 40-50, c'est pareil. Donc, avec 45 couleurs. Là, vous avez le numéro de la couleur, la légende, la référence DMC. Et là, c'est le nombre de perles dont vous avez besoin pour faire ce DP. Je vous dézoome. J'espère qu'on va bien le voir. Parce que celui-là, je ne pourrais pas vous mettre en photo, malheureusement. Alors, attendez. Il va dans quel sens? Il va dans ce sens-là. Je vais essayer de vous montrer la petite image quand même. Voilà. Donc, c'est des papillons, une petite cascade de papillons. Avec des genres de plumes ou de rubans là qui descendent. Plus des plumes, peut-être. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer l'image. Attendez, on va se poser. On va zoomer. Enlever le plastique pour que ça brille moins. Voilà.
Oh, encore un maboule qui passe, qui grille le feu rouge devant la maison. Donc voilà. C'est joli. C'est joli. Très, très coloré. Voilà. Donc ben là, je vous le mets comme ça parce que là, je ne pourrais pas vous mettre de photos. À moins que je trouve une photo sur une boutique ou sur Internet. Mais voilà. Alors, niveau impression, quand on est là, c'est bien. Alors, vous voyez, on a des symboles, on a des lettres. Après, on a des chiffres. Alors, ouais, on a des symboles, des chiffres. On a des petites flèches à l'envers, des lettres majuscules. Voilà. Bon. Il est joli, il est très joli quand même. Bon, dommage que ce soit des perles carrées, hein, puisque nous, on ne fait pas, on ne fait plus de perles carrées. Mais voilà. Vous voyez, elles sont propres, hein, elles sont bien taillées quand même. Voilà, il n'y a pas de souci. Bon, qu'est-ce qu'ils ont tous à griller le feu rouge dehors? Il y en a encore un qui va s'emplafonner. En plus, il y a le calvaire. Alors, c'est un calvaire de Jésus-Christ ou un calvaire de Vierge Marie? J'ai un trou, je ne sais plus. Enfin, bon, c'est un calvaire religieux. Un de ces jours, il y en a un qui va se retrouver dedans. Bon, j'irai pas le pleurer, hein, celui-là. Parce que c'est des gens qui roulent à plus de 100 à l'heure dans la rue. Des fois, largement plus. Et qui grille les feux rouges. Donc voilà. Alors, je vous avais donné le prix. Non, je pense pas. Donc, DP Mystère. Donc, taille moyenne. Alors, le DP Mystère. Alors, je vais vous dézoomer, ça ira mieux. DP Mystère, il y a petite taille, taille moyenne et grande taille, de mémoire. Et après, je crois qu'on peut choisir un DP, 5 DP, voilà. J'essaierai de vous remettre à l'écran comment on peut commander les DP mystères, mais je crois que c'est ça. Petit, moyen, grand, et après 1, 5, 10, je crois. Voilà. Voilà. Bon, je voulais en reprendre un. J'ai déjà pris un, hein, des colis mystères dans d'autres boutiques. Donc, je voulais voir ce que ça donnait également chez Hyundai Saving. Ça va, je suis pas déçue. Hein, il est très joli. Bon, le seul souci, c'est que là, c'est perle carrée, mais bon, c'est pas très grave. Mais ça va, c'est un beau modèle. Bon, maintenant, à voir. Si vous prenez un lot de 5 par exemple, à voir si les 5 sont aussi jolis l'un que l'autre, voilà, c'est du mystère, hein. Là, c'est la tombola, hein. Vous ne savez pas du tout ce que vous allez recevoir. Bon, bah, écoutez, moi je vais déjà remercier beaucoup la boutique Hyundai Saving. Moi, je vous invite également à profiter de la promotion du moment, du Black Friday. Je vous remets tout en barre d'infos. Donc, si vous regardez sur la télé, comme je vous le dis régulièrement, pensez à prendre votre téléphone en même temps pour regarder les infos que je mets sous la vidéo. Voilà, comme ça, vous récupérez les codes promo, les autres renseignements, etc. Les liens que je mets. Et moi, en attendant, vous l'entendez, je suis un petit peu fatiguée. En attendant, je vais vous laisser. Je vais vous faire plein, plein de gros bisous.
Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.